Romain, c'est, je pense, la fin du stage commun avec l'équipe de France. Quel était l'objectif de cette réunion commune ? Bah déjà, pour nous, c'était une reprise, parce qu'on n'avait pas, depuis le World Series, on était très 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 peu entraînés. Une reprise et qu'on fait avec l'équipe de France, avec beaucoup de temps passé, du travail mixé. L'objectif encore est de passer beaucoup de temps avec une autre équipe, apprendre à se connaître parce que c'est des choses qui nous permettent de développer beaucoup plus la communication, la volonté de se déplacer, de chercher des repères. Et le fait de le faire avec des joueuses qu'on ne connaît pas nous sort de nos zones de confort et ça amène énormément. Et l'ambiance était aussi au rendez-vous ? Oui, l'ambiance était tout à fait au rendez-vous. C'est quelque chose qu'on met en place avec plusieurs nations. Donc il y a la France, évidemment, l'Espagne, le Portugal. On travaille beaucoup de manière commune. On essaye aussi beaucoup d'impulser, nous, le staff belge, de travailler de cette manière, de passer beaucoup de temps ensemble. S'opposer, c'est bien. S'opposer avec des thèmes, c'est un petit peu mieux. Mais surtout, passer du temps ensemble, voir d'autres discours, d'autres entraîneurs, d'autres joueuses, ça amène beaucoup de pluralisme et c'est très agréable. Et c'est une habitude un peu plus seven de voir des équipes nationales s'entraîner ensemble ? Non, c'est pas dans les usages, mais nous on essaye de l'impulser, voilà, parce qu'on y croit beaucoup et on ne se dit pas qu'on est à l'origine de ça, hein, loin de là, mais on essaye d'impulser ça et surtout de varier les discours, de confronter nos discours aussi, d'échanger aussi avec d'autres entraîneurs, ça nous permet vraiment pas mal de choses. Et la preuve en est, c'est que fin mars, nous partons à Souston avec la France, le Canada, le Brésil, l'Espagne, l'Irlande, l'Angleterre, faire un stage commun, un petit peu sur le même thème, même s'il y aura plus d'opposition, parce que c'est ce que ces équipes viennent chercher à l'aube de grosses échéances pour elles, mais toujours avec cette volonté d'échanger, d'avoir un travail commun. Voilà, mais on impulse beaucoup en tant que staff belge dans cette voie-là, en tout cas. Et donc le début d'année est assez sympa pour le Level 7, après le World Series, le stage ici, ce que tu annonces pour fin mars. Vous êtes content, j'imagine ? Oui, content. Bien sûr qu'après, c'est un projet qui continue de grandir, qu'on doit, comment dire, étayer avec beaucoup de structuration, qu'on doit s'améliorer au quotidien. Nos joueuses font beaucoup d'efforts pour être présentes, répondre aux exigences d'entraînement, mais aussi aux exigences calendaires. Le nombre de compétitions va grandir grandement dans les années à venir. Alors si en plus on nous invite sur des équipes, sur des tournois comme le World Series, ça ajoute de la contrainte et qu'aujourd'hui l'enjeu est de créer un environnement serein pour les joueuses, qu'elles puissent se projeter tant sur leur double projet, hein, le projet personnel, professionnel, étudiant et le projet sportif évidemment, pour assurer de la continuité. C'est bien ça qu'on vient chercher, qu'on essaye en toute humilité d'optimiser pour pouvoir arriver à nos objectifs.